la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une journée Meetup Pixie Day, j'ai juste trop hâte. Et avant d'aller au Meetup de 13h sur Central Plaza, je réserve une surprise à Fan de Pixie, que vous voyez très souvent dans les commentaires, qui est l'un de mes comptes fans. Et en fait avec son chéri, on a décidé d'organiser une surprise pour son anniversaire. Donc on a rendez-vous devant le Starbucks du Disney Village. Elle est absolument au courant de rien et j'avais juste envie d'immortaliser le moment et de vous montrer ça. Donc je vous emmène avec moi, allez on y va. Salut. Salut. Bon bah du coup on est en plein mini meet-up. Donc du coup elle me fait un autographe et moi je m'en fais en même temps. Voilà. Oh bah vas-y, je te laisse écrire du coup. Tu veux faire coucou au vlog Coralie? Coucou. Et coucou chérie de Coralie. T'es contente du coup pour ta surprise? Et vive Mickey. Et vive Mickey. Regardez la Pixie Army. J'ai un petit cadeau. Et il s'allume. Alors jour. Oui, c'est trop bien. Et bien re-coucou la Pixie Army, je viens de sortir de mon mini meet-up avec Fan de Pixie, c'était vraiment trop bien de la voir. Elle avait les larmes aux yeux, j'étais trop touchée, trop émue. Je suis super contente de lui avoir fait sa surprise, c'était vraiment un très très joli moment. En plus de ça, ma pouille gâtée comme vous avez pu le voir. Et là maintenant, je pars au second meet-up. Et c'est parti pour le deuxième meet-up. Oui, oui, oui. Mais c'est parce qu'elle a pas envie de te déranger, c'est pour ça. Attends, la retrouvaille, la retrouvaille. Oui. Alors tu es contente? Et les fans, vous êtes contents? Pardon. J'ai oublié de donner mon carnet pour que les gens y signent. Et bah fais-le maintenant. Oui, je vais aller donner mon carnet. T'as pu lui dire beaucoup de choses que t'avais envie de dire? Oui, certaines choses. Après, ça fait bizarre de l'avoir vue. Parce que du coup, j'ai l'impression de la connaître, mais je la connais pas. Enfin, ça fait bizarre, mais ça fait plaisir. Du coup, j'ai pu lui dire certaines choses que j'avais vues sur sa vidéo. C'est super intéressant. Et t'as envie de lui dire un petit truc que tu as pas dit en secret? Merci pour tes vidéos et j'espère que tu continueras longtemps parce que tu fais rêver avec Disney. Et même de son lit, on peut rentrer dans ton univers aussi. C'est oui, elle en a parlé. On est en train de parler de la chaîne YouTube de Tim. Eh oui. Parce que monsieur a une chaîne YouTube. Oui. Voilà. Ah, ça, je le sais bien. Bah oui, on a. Eh oui, on est plusieurs à le suivre ici. On est plusieurs à le suivre ici. Quelle chaîne YouTube? Ça. La maman Pixie. Maman Pixie. On va s'arrêter là, mec. Ça oui, j'avoue, ma danse, ça fait. Je veux cette choré, je veux cette petite danse. De quoi, ma poète? C'est simple ici. Et la danse du monde, oui. Non, non, j'avoue. Bon, et bien, première partie du meet-up faite. Et maintenant, on part au Disney Village avec le reste de la team pour aller se poser et boire un chocolat chaud. J'ai failli rentrer dans un enfant. Je recommence. Donc, on vient de faire le premier meet-up à Central Plaza. Oui, non, je recommence. Oh, prise 15, épisode 18, on reprend. Et action! On a fait le premier meet-up à Central Plaza, ça s'est très bien passé. On a même été faire les boutiques avec la Pixie Army.
Et il y avait trop de monde, c'était juste trop bien. On a bien papoté tous ensemble. On a eu un peu froid, moi non, parce que j'étais réchauffée par la chaleur humaine de la Pixie Army. Par contre, les gens ont pris ma caméra tout du long, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mystère et boule de gomme, je vais découvrir ça au montage. Je pense que ça va être très très drôle. Et là maintenant, on va au Disney Village. On va aller se réchauffer devant un bon chocolat et récupérer le reste de la Pixie Army. D'accord, donc là t'es en droit. T'es en 6ème pour moi ? T'as un nom plus que mon frère. Il fallait que ça se batte un rôle. Dans 2 ans, j'y vais. C'est un grand plaisir de te voir aujourd'hui, merci. Et merci pour tout ce que tu fais, toutes les vidéos et tout ça, c'est super. Et ben, comment dire que Céa fait partie des idoles de tout YouTube français, enfin de Disney français. Et qu'elle m'inspire vraiment beaucoup. C'est tout récemment que je suis abonnée. Un gros merci à Pixie, ou comme je dis, Pixie Sensei. Ah. Marie-Poppins en tenue rouge, genre, en tenue rouge. Mais elles sont trop belles, les photos. J'essaye d'avoir tous les personnages, genre d'avoir la collection of flowers. Non mais ta collection elle est incroyable. Absolue. Ah en plus tu l'as signé derrière, ouais. T'as trop bien fait. Non je sais pas, il faut que je trouve un endroit où je peux l'accrocher, je pense, dans mon décor. Mais il est trop beau. On dirait, je te jure, on dirait un produit exclusif. Enfin un produit. Ouais. En plus c'est le drapeau mexicain. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Merci. J'ai le droit de chanter, ok. Le réfléchir, tu connais. Pixie, j'adore tes vidéos. J'avais trop envie de te revoir, ça m'a fait plaisir de te revoir. Et gros bisous. Aka le héros Disney. Bon bah voilà, on est donc au McDo avec la Pixie Army. On devait se poser de base au Starbucks, mais bon, il y avait beaucoup trop de monde. Et donc du coup, on est parti au McDo et je suis contente parce que j'ai beaucoup pouvoir boire mon petit ice. On s'en fout un peu, mais voilà. Et on est plein de monde et je suis super contente. Bon bah on est avec la Pixie Army, hein. Bon appétit. Vous faites un coucou à la Pixie Army, le vlog. Il y en a plein qui se mettent de dos là, coucou. Coucou le vlog. Voilà. On est content, bon app. Bon, et bien on est dans le train. J'ai embarqué la Pixie Army. Et on va au Primark. On termine le meet-up au Primark, les gars. Hein. On vous voit plus. Ouais, c'est ça. J'avais dit que je dépensais plus. C'était un gros fail. Exactement. Hello. La Pixie Army à Primark. La 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 la. Je suis autant excitée qu'en allant à Disneyland. Hein. Bah, c'est le deuxième Disneyland, mais pour le banquier, c'est pas excitant. C'est ce que tu disais, effectivement, oui. Elle est horrible. Allez, bon. Eh, celle-là, elle est grave pratique, je l'ai en Mickey. Bah, j'aime pas le motif, mais j'aime bien le. Tu peux entamer. Welcome by Primark. C'est la première fois en plus que je fais visiter le Primark et la Pixie Army. C'est ça. Quand même. Ah, mais oh, oui, entre les deux, oui. Mais là, c'est bien aussi. Moi, je pense que le S, Samira, il a l'air un peu large quand même. Je deviens folle. T'as trop craqué, toi. Pas du tout. Non. Pas du tout. De quoi tu parles? Non, pas du tout, voyons. Dit-elle avec un air coupable. Avec toutes ses affaires dans les mains.
prochain hall en direct. T'aurais dû prendre un panier. Aurore avait dit qu'elle arrêterait les chaussettes. Mais en fait. Non mais regardez-moi la beauté. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous les auriez prises parce que franchement, genre je ne peux pas résister. On est d'accord. Et là c'est mon avis. T'as pris ta taille au moins? Bah oui. Tu vois? Bon bah dans ce sac il y a mes achats que vous ne verrez dans un de mes prochains halls. Voilà voilà. J'ai pas été très sage encore. Hein. Bon bah voilà la pièce qui a cette vidéo est maintenant terminée, on dirait une sec les gars. Donc on est sorti de Primark, j'ai dépensé plein de sous et vous verrez ça dans un prochain haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que tout a plu. Bah ouais, ouais c'est un peu froid. On a passé un bon moment, on a beaucoup ri. Ah ouais surtout. Voilà oui on a beaucoup ri. Donc là si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à commenter et on attend la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous, bisous. Le page n'est pas dit. Bisous, bisous, bisous.